What's up, fans? On commence l'épisode aujourd'hui avec un don de 5 cookies. Aujourd'hui, il nous donne des bottes en météore, du full P3 sélénium avec du P2 et des joints et plein de joints puis une banane. Gros, ça fait extrêmement plaisir. Merci pour les bottes en météore. Je vais gens de l'internet, qu'est-ce qui est apparu dans mon inventaire? Gens de l'internet, qu'est-ce qui est arrivé là, mes amis? Petite livraison rapide. Merci, mon beau Sei. Je vais lui envoyer un message. C'est Co-Killer. Merci. Désolé, c'est un peu nul. Ben non, c'est très bon, mec. Gros, qu'est-ce que tu racontes? N'importe quoi que tu me donnes ou que vous me donnez, les gars, sincèrement, c'est super, man. Ça, vous me donnez n'importe quoi. C'est juste le geste qui compte, en fait. C'est ce que j'essaie de dire. Donc, je vais aller porter ça à ma base, puis on va ouvrir directement les skills qui et les skill bags qui m'ont été offerts par, bien sûr, nul autre que I want not, je sais pas dire son pseudo, mais bon, voilà. Aussi, les amis, ils ont rajouté le système de waypoint. Je vais vous montrer ça quand on va être au spawn. Je trouve que c'est vraiment génial. Les serveurs, là, c'est sincèrement ce que j'aime le plus sur le serveur. Et je dis pas ça pour souci ou quoi que ce soit. C'est que, oh, du P4. C'est qu'ils font des mises à jour quasiment tous les jours, les gars, et ils tiennent vraiment beaucoup à leur serveur, et ça se voit parce que chaque fois que je me connecte sur le serveur ou quoi que ce soit, il y a toujours une nouvelle mise à jour, et ça, c'est une fleur qu'un abonné m'a donnée. Et ça fait plaisir de voir que, tu sais, qu'ils tiennent quand même à leur serveur, même si le serveur il tourne depuis je sais pas combien de temps et qu'ils continuent toujours à avoir des nouveaux joueurs chaque jour, ils continuent quand même à toujours update. Et ça, les amis, ça fait un grand plus sur un serveur. Et c'est ce que j'aime le plus. Donc voilà, j'ai mis kit aussi dans pas longtemps, je pense, dans 22 minutes. Je vais faire kit partenaire. Plus, ouais, dans 15 minutes. So, je couperai la vidéo parce que je pense pas que ça va nous prendre 15 minutes. So, let's go. On va ouvrir tout ça, mes amis. Je viens de me réveiller le matin. Donc, si vous entendez mes parents se lever, il est à peine 6h. Ouais, il est 6h du matin. Donc, si vous entendez ma mère ou mon frère se réveiller, je m'excuse. Donc, let's go. Là, j'ai vraiment savoir quelque chose en space. La dernière fois, on l'a pas eu, mais cette fois-ci, what? Ok. What the fuck? Ok, ça faudra certainement la mettre efficace T5 U3, man. Ouh, ça c'est cool. Ça c'est cool parce qu'on pourra essayer d'avoir du météore après. Let's go, boy. Ça commence bien. On a eu deux trucs quand même pas si mal. Oh! Oh, shit! Les gars. Oh, my God. J'allais faire... J'ai eu... Oh, my God. Les gars, c'était marqué ultime. Ça veut dire que c'est le truc le plus rare à avoir, gros. Oh, my God. Légendaire 3 skill bag. Let's go. OMG, guys. Légendaire encore. 3 skill bags. C'est bon. Let's go. Du space, s'il te plaît. Il en reste 18. Du space, s'il te plaît. Non, une pomme cheat. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est bon, une pomme cheat. Les gars, je vais aussi faire un coffre caché en cet épisode-là. Inquiétez-vous pas, il y aura un coffre caché. Je vais aller le cacher à des coordonnées différentes. Oh, 4 titacites. C'est bon. Je vais pas mettre tout ce que j'ai gagné parce que quand même, je vais me garder du stuff. Vous savez, je suis quand même un peu pauvre sur le serveur. Fait que j'essaie de 5 skill bags. Let's go. Chris, on va avoir plein de skill bags, man. 3 œufs de creep. Allez. Plus que 16 après celle-là. Yes, sir. Allez. 16. Oh, ça, c'est pas tellement bon. Ouh, 16 random. Oh, ça, c'est bon. Let's go. Please, un space. Space, s'il te plaît, mate. Donnez-moi un space. Ah, des skill bags encore. Un space, s'il vous plaît. Je vais garder 5 skill kicks qu'on va ouvrir après, dans le fond. Ah, ça, c'est pas très bon. Je vais juste mettre celle-là dans le stack après. Faut pas que j'oublie. Comme un 8 emerald, ça sert carrément à rien. Fait qu'on ouvre jusqu'à temps qu'on en ait 5 ici, puis on va ouvrir toutes les skill bags. Let's go, un space, please, mate! Ah, 3 skill bags. C'est pas grave, ça nous donne plein de skill bags. Ça, c'est cool, on pourra en ouvrir plein. Allez, 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 allez! Ah, damn it. Je suis triste, mate. Allez, une dernière après, c'est on va ouvrir les skill bags. Ah, de l'emerald encore. Et la dernière, avant qu'on ouvre les skill bags. Please! Oh shit! On en a eu deux! Holy shit, on en a eu deux, man! Oh my god, no fucking way! On a eu 24 pommes d'or, un arc en urite, 16 flèches comme ça. C'est des flèches comment? Effet de nausée. Mmh, cool. Encore des flèches de nausée, du titacite, des bananes, une épée en sélénium. Des random ores, GG, ça, il faut en avoir plein, si possible, avec du space, des bottes en météore, ça c'est cool, du, ok, ça je sais pas c'est quoi, pomme cheat, des flèches encore en osée, des joints, parfait, j'ai quoi que j'ai eu,
Des flèches en osée, j'imagine. What? Oh non, j'ai eu les bananes, je pense. C'est quoi que j'ai eu encore? Oh, ça c'est bon! Oh, des rennes normaux! Yes, on va aller 64, les gars! J'ai eu quoi là ici? J'arrive pas à voir, sûrement, sûrement des ailes de creeper. Des flèches comme ça. Oh! Un space! Yes! Ça, les gars, c'est ça que je voulais! Des joints. Après ça, j'ai pas eu trop vu. Des ailes de creeper encore. Un plastron antitacite. On a eu un pantalon aussi. Banane. Sénantium, whatever. Casse en citacite. Du sélénium. Des pantalons. Encore des pantalons. Ça, c'est bon parce qu'on pourrait se faire des armures. Donc, beaucoup de... Oh, encore beaucoup. Un casque. C'est bon, les armures comme ça, parce que... Ok, parfait, man. Je m'en vais, man. Oh, my God. Oh, my God. Ça, je vais pas le garder. OMG, guys, tout le stuff qu'on s'est fait. Donc, attendez. Je vais juste mettre tout le stuff là. Ça, c'est une fleur qu'un abonné m'a donné. Je vous l'ai sûrement déjà dit avant. Attendez. Oh my god, je suis trop content, les gars. On a vraiment des bons loots aujourd'hui. La dernière fois, on n'avait vraiment pas eu des bons loots. Mais aujourd'hui, on a des bons loots. Les œufs de creeper. Je vais juste remplir mon stack. Je vais vendre les 20 ou le reste. Ok, ça, c'est clair qu'on va la garder. On va remplacer celle-là par celle-là. Puis celle-là, faut juste l'enchanter vers la fin de l'épisode. Ça, on met celle-là. Et on va mettre les random R là pour l'instant. Les bots aussi qu'on avait. Oh my god. J'ai tellement eu de choses, les gars. C'est hallucinant. Ça, je vais la mettre ici. On va la mettre dans un coffre caché que je ferai plus tard. Emerald. Ça. On s'en fout. Ça aussi. Je sais pas si c'est bon, les flèches de nausée. La skill pickaxe, j'en ai déjà. Fait qu'on va mettre les deux ici. Puis on va tous les items qu'il y a là-dedans, ou plus, la plupart, on va essayer de les donner dans un coffre caché. Ensuite, l'obsidienne, j'en ai un peu ici. Parfait. Cela et mon space que je vais mettre ici. Voilà. Donc, il nous reste 6 kill bags. On va en ouvrir un pour en avoir 5. 10 sélénium. Super. Et les pommes cheat, let's go. Et les œufs de creep, on va garder ça dans mon inventaire. Les joints, on va mettre ça. Oh, pas ça que je voulais faire. Les joints, on va mettre ça ici. Et puis on retourne au spawn slash back. Let's go, je vais aussi vous montrer le mode des waypoints que j'ai oublié de vous montrer juste avant. Oh, je suis vraiment content, les amis. Vraiment, sincèrement, là, je suis vraiment content. Des perles, des joints, des pommes cheat et de l'obsidienne. Ça, c'est fait. Ensuite, donc, le mode de waypoint, en fait, vous faites juste T, comme vous ouvrez votre chat. Vous pouvez voir, il y aura ajouté le planning des events réguliers. Donc, ça, j'adore. Vraiment bien fait, on peut voir c'est quoi l'event. Donc, petite météorite, grande météorite, KOTH, tombée de coffre, event TeamSpeak. Donc, on peut voir exactement. Vous faites échappe pour quitter ça. Vous faites T, vous pouvez voir les blocs qui sont descriptibles. Donc, deux explosions, le coffre en météore, bref, voilà. Ensuite, enclume, etc. Tout est bien indiqué. Bon, je vais pas vous passer au-dessus de tout. Mais c'est vraiment bien indiqué. Je trouve que c'est propre. Ensuite, le waypoint. Donc, c'est en fait, c'est Race Minimap. Donc, ajouter, là, on est au spawn en ce moment. Je vais appeler le nom de mon waypoint, par exemple. Skill key, par exemple, vu qu'on est là. On choisit la couleur qu'on veut. Donc, on veut un peu plus un rouge. On va mettre rouge, confirmé. Et là, exactement là, on aura ça. Donc, peu importe où ce qu'on va être dans la map, on va avoir ça. Sauf si on est dans le Nether ou dans le Nether, dans l'End. Ça va changer le truc. Pour enlever le waypoint, vous allez ici. Vous pouvez le mettre off, on. Vous pouvez le supprimer, donc vous supprimez, vous sélectionnez en lever dessus, et voilà. Donc assez stylé, comme je vous dis, ma mère vient de se réveiller, je suis désolé. Donc là, il faut un truc en space. Please! Pas les bots. Ouh, kit explosif. Wow, c'est cool, on a des œufs de creep et tout. Ça, c'est cool. Let's go, please. Please, 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 please. Ah, 5 skill back, c'est bon. Un plastron en space, please. Please, please. Ah, 3 œufs de creep. Allez, un plastron en space, s'il vous plaît. Il me reste 2 clés, s'il vous plaît. Non! Non! I get toxicoman! Allez, dernier, un truc en space ou du space. Please! Ah, des skill bags. Bon, on en a 10 encore à ouvrir. Un, des pierres sélénium, des bananes. Un space! Yes! C'est ce que je voulais. Je l'avais dit. Sélanium, le tout truc, des flèches en nausée, des puis antitacite, des pommes. OMG, guys, on a deux trucs comme ça. On a pas mal de random ore à péter, on a pas mal d'œufs de creeper, on a vraiment beaucoup de choses à vendre en fait. Attendez, je vais juste faire HDV mail. Je pense que j'ai vendu certains de mes trucs, donc ça, j'ai vendu. Ça, c'est génial. Ok, super. Par exemple, j'ai pas vendu open. J'ai pas vendu certaines de mes pièges à spawner. Je les ai mis à vie. Je les avais. Ok, ça c'était vraiment pas cher, 850 de pièges à spawner. J'avais mis des pièges à spawner juste ici, quelque part. Ouais, c'est ça. Shift-click pour retirer.
What? Ok, c'est bon, je les ai retirés. Combien ça vaut un œuf de creep? Environ 2800. Ah, ok. Ça vaut pas si cher. Space, combien? 11 000? 12 000? Est-ce que je devrais les acheter? Voilà. On va les acheter. Comme ça, on va pouvoir se faire une nouvelle pièce en space. Il faudrait juste en trouver un autre. Y en a-t-il un autre? Y'en a-t-il un autre, tabarnak? Non, y'en a pas d'autre. Fuck. Oh. Yo, 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 yo. Don't do this shit, mate. Don't do this shit with me, homie. Ok, fait que là, let's go, je vous reprends les gars, je vais aller. Ben en fait, on va. Je sais pas comment les vendre, mes œufs de creep en vrai. Hein. Je suis sûr que je pourrais les vendre vraiment cher, genre, mais. On va faire des piles de deux, genre. Ouais, ok, on va les vendre par deux. So, je vous reprends quand c'est vendu. Ok, yup. Donc, je suis un peu loin. Donc, je vais poser mes minerais. Ok, j'avais oublié que c'était un territoire de quelqu'un. Je vais poser mes minerais et je suis no stuff, donc en espérant qu'il n'y ait personne qui nous approche. Je vais poser mes 64 minerais. Je vais les miner avec vous en espérant qu'on peut avoir du météore. Ensuite, faire du space pour avoir environ 5 space. Ce serait cool d'avoir 5 space parce qu'on pourra enfin faire notre... notre casque en space, puis comme vous l'avez dit dans le dernier épisode, j'essaie de collectionner un armure en space full P4 U3. Donc, souhaitez-moi bonne chance. Ça nous prend juste une météore. Normalement, on devrait être capable de l'avoir parce que dans 64, techniquement, le ratio devrait être à notre faveur. Hein. Oh, voilà, on l'a eu. Donc, on a exactement notre casque en space. Il faudrait juste peut-être en avoir peut-être une autre ou deux. Ça fait toujours plaisir à voir. Je pense qu'on l'avait déjà, de toute façon, j'en avais déjà un dans mon Under Chest. Mais c'est cool d'en avoir plusieurs. So, si on peut se faire un autre, peut-être un autre météore, s'il te plaît. Yes, sir. Voilà. Suffit de le demander, les gars. Suffit de le demander et on l'a. Donc, sur 64, on a eu deux météores. On va faire home chest vite avant de se faire enculer. Donc, t'es 4 titacites, c'est quand même aussi bien. On va mettre ça dans le four. On va mettre ça en haut ici. J'en ai pas vraiment besoin. Ça, ça va être dans le four après. Je sais qu'on peut faire des fours de notre type, mais je me souviens plus comment. Donc, voilà. On va faire notre space directement. On va crafter notre coffre, notre truc, et on va directement en l'enchanter pour essayer d'avoir des livres P4 et U3. Donc, on a besoin de ça, de ça. On va faire le haut en bleu, je crois que c'est. Ensuite, on met ça au milieu, ça de chaque côté, et le bas en jaune. Et voilà. On a dans notre C 5 space. On peut avoir un casque en space. Voilà, les amis. On est finalement plus... Oh, ben, regardez, les amis. Oh, oh, oh! Qu'est-ce qui nous attendait là? Je vais me crafter. Y a-t-il du fer? J'ai pas du fer, je pense, right? Ah, je pense que j'ai pas... Est-ce que j'ai mon kit minerai? Minerai, dans combien de temps je l'ai? 11 minutes. Je vais aller au spawn d'abord. Je vais aller mettre ça au spawn. Faudrait vraiment que je me crafte des enclumes pour les avoir dans ma base. Parce que tout le temps, aller au spawn pour les enclumes, c'est chaud. Même chose pour les tables d'enchant. Faudrait que je m'en fasse une dans ma petite base de merde, là. Ce serait une bonne chose à faire. Donc, boum, boum, 14 niveaux. Et voilà, on a deux pièces déjà de notre armure dès conçue. On a aussi un casque. On a bientôt un... On va se faire un... On va compléter nos trucs en météore qui nous manque ici, bien sûr, pour pouvoir bien faire nos trucs. Donc, je retourne à ma base. Je vous reprends un peu plus tard. Alors, donc, j'ai enchanté pas mal de trucs. Donc, j'ai dépensé tous les niveaux d'XP que j'ai eu. J'ai eu un Sharness 4 Looting 3, que je pense pas que ça soit vraiment intéressant, parce qu'on fait pas vraiment de farm. J'ai eu deux P3 que je pourrais fusionner, sachant qu'on a un P3 qui traînait ici. Donc, ça, ça peut être bon pour un P4. Là, je pensais mettre mes bottes directement en météore et mon Pharmax en F5. Je pensais que j'allais... Je pense que je vais aller faire ça directement. Comme ça, j'aurai 3 paires de bottes en météore sur mes 3 sets. Ensuite, il faudrait peut-être juste faire un casque et un plastron en titacite. Mais je pense que voilà, 4 plastron plus casque, j'ai dit. Mais regardez, j'ai juste ce P3-là. Fait que je pense qu'on va juste prendre ça, fusionner avec le livre P3 qui est là. Et puis ça, le fusionner avec ces deux livres-là, comme ça. Puis ça devrait être bon. Normalement, je dis bien normalement, tout ça, ça devrait être bon. So, voilà. Ensuite, le Sharpness 4, je sais pas. Peut-être qu'on pourrait le mettre sur une des épées en titacite qu'on a. Peut-être sur celle-là. Non, on met pas une charme. Peut-être sur celle-là. Voilà. On va mettre ça ensemble. On aura une charme 5 looting. Et puis les skills PKX qu'on enchantera plus tard si jamais on nous faut de trucs. Là, il faut juste qu'on trouve un peu d'XP. Donc, on va rechercher. Bottle recherche. Attends, c'est comment c'est recherche? Bottle. Ok, il n'y a pas de bottle of XP. Attends. Open. XP. Tabarnak de Christy. Ok, il y en avait une là à 1000, ça c'est beaucoup trop cher.
Ok, il y en a pas mal ici. Ils sont à combien? 850. C'est un peu cher quand même. Eux autres sont à combien? 850. Eux autres sont encore à 850. Tabarnak de calice. Je vais pas vraiment être obligé de payer 850 pour chaque petit stack de bouteilles. Is that a motherfucking joke? 300 pour une. Hey! Hey, tabarnak, hein? Prends-moi pas pour un épais non plus, hein? Ouais, je pense que j'aurais pas le choix de payer ça, les gars. Il n'y a pas l'air d'en avoir. Ouais, il n'y en a pas, les gars. So, on va retourner là-bas. Tabarnak, ça fait chier de payer ce prix-là, mais bon. On n'a pas le choix, les gars. On n'a pas le choix. Est-ce qu'on a besoin d'XP? Puis on n'en a pas. Le gars, il a dit icons. Attends, mon beau. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Bon, je suis passé de ok, 20 000 à ça. Oui. HDV Mail. Je sais que c'est un épisode un peu plus farm aujourd'hui, mais bon. Faut que ça soit fait des fois, les gars. On n'a pas le choix. C'est des choses qui arrivent. Et puis voilà. Donc là, mon total est à 10 000. Donc, c'est quand même pas si mal. On va juste jeter les livres. Ça, je trouve ça con qu'ils donnent des livres quand même. Je vais pas vous le cacher. Tu skip avec les abos. Un screen, s'il te plaît, viens spawn. Ok. What? T'as joué. What? Beaucoup. Message Bila, viens au halls. Je suis déjà au halls, so, voilà. Ensuite, j'avais dit que je ferais ça. Voilà. J'ai dit que je ferais ça. Voilà. J'ai dit que je ferais ça. Voilà. Oh, what? What? Partage ton armure, wesh. Wesh, regarde, il est full space presque. Ah, wesh. XD. c'est ça, plus ça. Plus ça. Là, ça, plus ça, on va le fusionner ensemble. Il veut prendre un screen, mais j'ai pas. Je peux pas faire clic droit avec ça. Fait que je juste me sneak si tu veux. Qu'est-ce que tu veux que je fasse comme pause? Tu veux que je fasse un sourire? Un bonhomme triste? Une face un peu trisomique? Je suis bon pour les faces trisomiques. Comme ça, ça prend 16 niveaux. Donc, on va prendre 16 niveaux. Puis après ça, je vais continuer à enchanter des livres en espérant voir quelque chose de bon. Voilà. Voilà. Donc, il nous reste quoi? Ces deux livres-là qu'on pourrait mettre ensemble. On va faire ça maintenant. Ça va nous donner du P4. On va faire notre kit. Ok, tu ne passes pas devant mon XP, mon tabarnak. 17. Oh, tabarnak. C'est bien cher. 19. Ok. Ah shit. Parfait, je l'ai eu. Hey, essaye pas de me voler mon XP, toi, mon tabarnak. Je t'ai vu, hein. On va prendre ça coûte moins cher. Voilà. Et là, on va mettre ça sur le plastron. Voilà. Voilà, mes amis de l'internet. Bon, on aurait fait notre loadout. Là, on a tout ce qu'il nous faut. Donc, voilà. Voilà, ça on enlève ça, ça, ça. Et là, on est bien parti pour aller PVP. Oh, aussi, on rajoute notre épée là. Comme ça, on a trois épées antitacites. On a notre farm axe. On a nos bottes qu'on pourra vendre. On a presque notre full space. Attends, ça c'est. Faut pas mettre ça comme ça. C'est comme ça. Voilà. Faut que ça soit bien rangé. Donc, on se reprend un peu plus tard. Je vais commencer à vendre un peu de trucs que j'ai dans ma base qui me sert un peu à rien pour pouvoir faire un peu d'argent. Et je vais continuer à chanter des livres. À tout de suite. J'ai 9 heures mon kit minerai. J'ai eu des. Mon random kit, j'ai eu un kit minerai. Fait que j'ai eu pas mal de trucs. J'ai même pas fait mon vrai kit minerai. Si on pourra le faire après. Je vais terminer ça en espérant avoir un météore. Et non. Pas de météore, même pas de titacite. Dommage. Est-ce que j'ai mes vrais kits qui rentrent? Là, je commence à avoir mes vrais kits qui vont rentrer. Donc, même chose encore. Super. Ça, je mets celle-là. Ça, je mets celui-là, j'en ai plus besoin. On prend les 12 comme ça. On va les. Oh, j'ai pas besoin d'arrêter ça non plus, mon beau. Et ni de l'or. So, on va reposer ça. En espérant qu'on soit. T'as des creeps. Oui. Beaucoup même. Oui. Beaucoup. Pourquoi? Boum, badaboum. Météorite, s'il te plaît. Météore, un météore, un météore, un météore, un météore. Ah, oh, un petit acide, j'ai vu un petit acide. Ah, oh, un météore. Non, juste un petit acide. Bon, ben, c'est mieux que rien, les amis. On en a eu deux, même. Deux. Bon, c'est good, ça. C'est good. Fait que, c'est quoi l'autre liquide que j'avais besoin? Enchanteur. Ça donne pas de bibliothèque, c'est vrai? Non. Mais par exemple, on pourrait en crafter des bibliothèques pour en avoir dans notre base. Ça nous prendrait juste du bois. Ok. Je pense que c'est ce qu'on va faire, les gars. Donnez-moi deux petites secondes, je vais aller chercher tout ça. On a aussi eu des livres, donc on va pouvoir, pouvoir faire ces bottes-là. P4. Je pensais vendre ces bottes-là.
P4 en météore, genre 3000 ou 4000. Je sais pas, HDV Create, on va les vendre à 3500 pour un. Non, attendez. On va les vendre à 4, à 5500 pour une paire de bottes. Puis ceux-là, on va les faire U3, P4 U3 plus tard, ok? Parce que, bon, pas U3, c'est un peu chaud. Puis toutes les stuff ici qui nous manquent U3 comme lui, on va essayer de la faire U3 pour qu'on ait vraiment des bons god sets. Donc, je vous reprends un peu plus tard, les amis, avec quelque chose de plus intéressant. Parce que là, je trouve comprends que c'est pas intéressant. Regardez. À tout de suite. Ok, je suis en train de faire la table d'enchant. Normalement, ça devrait être bon. Non, 24, ça manque un peu. Donc, on va mettre genre ça là. Normalement, ça devrait être. Oh. Normalement, ça devrait. Car ici, il manque encore un peu. Oh, j'ai pas mis la bonne chose. Attendez, on va utiliser notre farm axe pour la première fois. Voilà. On va en mettre deux autres ici. Normalement, ça devrait être bon. Voilà. Donc, on a une table d'enchant niveau 30. Ouais, voilà, comme ça. On va faire ça comme ça. Puis, on va faire ça comme ça. Et là, je pensais enlever peut-être ce coffre-là. Puis, genre, agrandir de ce côté-là. Je pense que c'est ça qu'on devrait faire, ça serait plus propre pour pouvoir genre avoir une petite place avec des enclumes, etc. Plus d'espace pour se déplacer. Donc c'est pas une BP secure ou quoi que ce soit, c'est juste un coffre. Si j'ai une place où je cache des coffres, qui demande Icon, le seul mec qui ne demande pas de dédicace. Ben, ça sert à rien de demander des dédicaces quand tu rec, mais je peux l'en faire si vous voulez, hein. Dédicace à tueur, dédicace à ma faction, il y a. Je vais voir ta faction, on va voir. Si vous voulez, je peux en faire, mais je demande pas. Si vous me le demandez, je le fais, mais je suis pas genre. Oh, dédicace, je règle, ça sert à rien. Donc, dédicace à vous, les gars. Dédicace, it's Twix. Et TB3, don de bois. J'ai déjà eu mon don de bois. Il y a quelqu'un qui m'a donné. C'était Métrix qui m'a donné le bois. Donc, merci à toi. D'ailleurs, ça fait extrêmement plaisir et extrêmement chaud au cœur. Donc, je vais mettre des enclumes dans le coin là. Comme ça, j'aurai mon une base quand même assez stable. On va. Wapalai. Wapalai. Oh non, faudrait pas qu'il y ait un clear lag en plein en ce moment. Ce serait vraiment triste que ça l'arrive. Boum boum. Tac 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 tac. Tout le coffre, il va être rangé. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas quelque chose qui prend du temps à faire. Donc, agrandissement de la base aujourd'hui. Et voilà. Donc, je vous reprends dès que j'ai quelque chose d'intéressant, comme je vous dis, à tout de suite. Ok, il y a deux abonnés qui veulent me faire des dons. Donc, je vais essayer de me TP aux deux en espérant qu'il n'y ait pas de soucis. Donc, là, c'est ces deux garçons-là. Salut, les amis de l'internet. Comment allez-vous? Salut! Ok, des pommes d'or. Merci, la richesse du Québec. La richesse du Québec. Merci, les copains. Je vais vous donner des kits. Regardez. Partenaire plus. Je vais vous drop. Tac, 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 tac. Voilà. Je vais garder. Là, même pas la pomme cheat. Tiens, je vais vous la donner. Je vais vous drop un peu de ça. Je vais vous drop aussi. Chacun notre pomme cheat. Tiens. Et deux œufs de creep chacun. Voilà, les copains. Je vais TP à lui. Donc, c'est eux qui m'ont fait un don. Mais finalement, c'est moi qui leur ai fait un don. Bref. Merci beaucoup, les gars, pour le geste. Ça fait extrêmement plaisir. Je retrouve pour un autre don. Et on se retrouve pour un autre don de Ice Tweet. De rien. Dédi. Donc, Théo, je suis là. Oh, y'a un space! Les gars, y'a un space! Pardon, pardon. Faut que je garde mes esprits. Faut que je garde mes esprits. Icons. Garde tes esprits, panique pas. Peut-être qu'il va pas te le donner. Mais disons que c'est vraiment beau ce que tu tiens dans ta main, mon beau garçon. Peut-être que c'est un fake. Peut-être qu'il va pas me le donner. Je rec. Je suis nouveau, pas grand-chose. T'inquiète. Oh! Ok, le gars il dit je suis nouveau, pas grand-chose, mais regardez tout ce qu'il me drop. Oh, des potions, ça je prends, je prends, je prends. Oh my god, gros, attends, man. Je me sens presque mal, mais. What the fuck? Partenaire, je l'ai dans combien de temps? Dans 18 minutes. Oh shit. Gros, merci beaucoup, ça fait extrêmement plaisir, mec. Oh, mais il n'y a pas beaucoup de stuff, je me sens super mal maintenant. Oh my god. Attends, tiens. Prends une Sharpness 5. Moi, je vais garder ta Sharpness 3. Prends ce cadeau. Merci. Merci beaucoup, mec. À plus tard. Okidoki. Donc, j'ai décidé que j'allais enchanter les skills pickaxe, niveau 30, les deux. Efficacité 4 et c'est U3. On va vite se drop 30 autres niveaux. On va les enchanter. Puis, on va les mettre dans le fond, dans le coffre caché que je vais vous faire tout de suite après. Il y aura deux skills pickaxe et plusieurs autres trucs stylés. Donc, la personne qui va le trouver va se faire quand même un peu d'argent. Je pense que je vais en mettre juste une. Vous savez pourquoi? Parce que 2, c'est super cheat de 1. Et je la donnerai dans une autre skill chest un autre jour.
Je pense que ce serait plus approprié. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Donc, espérons qu'on a quelque chose de bon. Efficacité 4. Oh. Est-ce qu'on peut les mettre ensemble? 15 niveaux pour ça. Non, on va garder les deux. On va garder les deux comme ça. On va mettre les deux dans des coffres cachés différents. Ou on en vendra peut-être une et on s'achètera d'autres choses de mieux avec. Donc, voilà. Désolé pour la petite séquence un peu nulle encore une fois. Je sais pas trop quoi vous faire à part... ben là, j'essaie de faire des P4 puis tout, les gars. So, voilà. Je vous reprends quand j'ai tout fait ça. Yop, les gars, ZB veut nous faire un don. ZBPP veut nous faire un don. Donc, voyons qu'est-ce qu'il y a à nous donner, ce petit garçon. C'est bon. Bien sûr, je suis là. Donc voilà. Hey, juste un petit commentaire comme ça, les gars. La communauté sur SkillPVP, vraiment, vous êtes vraiment super. Oh my god, il me donne plein de stuff. Oh, plein de P4 en plus. Oh shit, ça c'est cool. En plus, je viens juste d'avoir un Leaf Punch. Oh my god, gros, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, ZB. Merci beaucoup. Je vais me TP à. It's. Oh, c'est quoi son pseudo? It's comme ça. It's tweet. Voilà. Gros merci, gros. Et ouais, comme je disais, la communauté sur SkillPVP, vous êtes genre vraiment super sympathique avec moi. Et j'apprécie chaque fois que je me connecte, je parle avec pas mal de joueurs et tout. Ça fait super plaisir de voir que vous m'appréciez autant. Et ben, je vous aime autant aussi, quoi. Donc, un gros merci pour tout le support que vous me donnez, les amis. Je vous aime énormément. Et en espérant que vous... Oh, bah, ben, on est déjà là, quoi, en gros. J'allais dire en espérant que ce soit pas trop long avant qu'il nous TP, mais il est déjà là. Des minerais orange. Des minerais roses. Des œufs de creeper. Merci! Je lui envoie un message. It's tweet. Merci. Imaginez, il m'a redonné la maté 5. Non, il m'a donné une charnette 5. Des... Oh! Ouh! Ça, c'est une bonne pharmax. Des joints, potions, des joints. Ça, bon, ça, j'ai pas tellement besoin, je vais pas vous le cacher. Du titacite, des potions. Les potions, ça fait super plaisir, les gars, parce que comme vous savez, j'adore PvP. Je suis pas très doué, bon, mais voilà, quoi, quand même, tu sais. Faut me respecter, wesh. Donc, merci beaucoup, mec, pour tes dons. Donc, mes très chers amis, je vais prendre un ticket de téléportation aléatoire. Et si, voilà tout ce que je vais vous donner aujourd'hui. Donc, 4 œufs de creeper, 2, 4, 6, 8, 2 arcs quand même cool. Un avec Infinity, un avec Power, Nose et tout. C'est vraiment 6-6-T. Puis quand même des arcs cool. Je vais vous donner la skill pickaxe efficacité 4. 2 punch sheet, un full pickaxe, sauf les jambières. J'arrive pas, j'ai plus de niveau, j'ai plus rien. Et les gens, il n'y a plus de gens qui vendent dans la HDV des trucs. J'ai mis 2 stacites. Malgré que. Ouais, je pourrais en mettre 4, genre, puis faire genre ça comme ça. Je vais en mettre 4. Je vais en mettre 4, voilà. Fait que ça en manque 2. Comme ça, avec l'obsidienne un peu. Puis je pense que c'est complet. Ah oui, des Sharpness 3. Les deux mêmes Sharpness 3, Fire 2, U3. Fait que je pense que ça va compléter notre coffre caché pour aujourd'hui. Je vais aller cacher ça et je vais vous reprendre quand je suis rendu aux coordonnées aléatoires. A tout de suite. Bonjour, je suis rendu aux coordonnées que je voulais. Donc, j'ai pris un ticket de téléportation. Je cache le coffre directement là, les amis. Je vais pas. J'ai oublié un coffre. Je reviens. Home chess, j'ai oublié un coffre. Nous sommes mal barrés. Ok, toi tu vas rester là, tu m'énerves déjà. Et là, j'avais sûrement un coffre quelque part qui traînait. Oh, j'avais oublié que j'avais ça dans le four. Sûrement un coffre, voilà. Slash back. Alors, tu en penses quoi de ma chaîne? J'ai pas encore été voir. Je fais ma vidéo. Hey, hey! Donc... Ok, je déteste quand les gens qui sont le TeamSpeak qui spam. Donc, je vais mettre tout ça dans le coffre. Un peu n'importe comment, en vrai, je m'en fous un peu. Non, je m'en fous pas en vrai. Je vais tout placer les trucs correctement après la vidéo. Mais voilà, je vais vous mettre les coordonnées maintenant. Donc, je vais faire ça. Ajouter un waypoint. Coffre caché numéro 2. Comme ça, je pourrai revenir voir. Voilà, donc vous voyez les coordonnées 3070, 4100. Je vais pouvoir voir, dans le fond, le coffre. S'il a été pris ou non. Et puis moi je vous dis les amis, à la prochaine si l'épisode vous a fait plaisir. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu. Et puis si vous aimez les coffres cachés, puis les épisodes un peu plus farm, etc. Ben dites-le moi, je vais en faire plus. Mais je vais essayer aussi de vous faire du PvP dans la prochaine vidéo. Sur ce, je vous aime, c'est Tycoon, peace.